très bien. J'ai les lumières qui me bruissent et je ne vous vois pas. Comme ça, ça réduit ma timidité parce que ça ne se voit pas, mais je suis un grand timide. Surtout quand il y a dans la salle, comme on dirait à Abidjan, à capitale économique à Côte d'Ivoire, surtout quand il y a des en haut et en haut. Vous avez besoin d'une traduction. Chez nous, en Côte d'Ivoire, donc, dans le langage populaire des jeunes, qu'on appelle le bouchi, on a classifié les strates de la société. Il y a les en bas d'en bas, les au milieu d'en bas, les au milieu de au milieu, les au milieu d'en haut et les en haut d'en haut. Et les en haut d'en haut, ce sont tous les chefs de village. Et dans la salle, il y a des chefs de village. Il y a le préfet, il y a le maire et tout le reste que je ne connais même pas. Alors vous comprenez, forcément quand c'est comme ça, on commence à bégayer pour retrouver les mots justes pour raconter ce qu'on t'a demandé de raconter. Alors qu'on ne m'a pas demandé quelque chose de sorcier, hein. On m'a juste demandé de vous dire qui allait venir vous proposer leur art métissé. Parce qu'effectivement, c'est deux personnes à la pigmentation différente. Un noir et un blanc. Donc forcément, c'est métissé. Mais avant de vous demander toutes ces choses-là, pour raconter un petit bout de ces deux personnes, on va vous demander de vous tasser un peu, de vous resserrer un peu les uns les autres. Parce que voyez-vous, dans ce pays, il y a toujours les questions de sécurité. On dit non, la salle à contenance est de 50 places, on ne peut pas mettre 50 et demi. Sinon, s'il y a un problème, la mairie et la préfecture auront des problèmes. Alors, du coup, il y a des gens qui sont recueillis dehors. On vous demande de vous resserrer un peu, faire une petite place au dernier arrivant, afin qu'ils puissent profiter de ce qui va vous être proposé ce soir. Parce que c'est qu'on va vous proposer ce soir. Alors là, mesdames et messieurs, croyez-moi, parole de vagabond, travailleur éliminé sans papier, c'est immense ça. Si je n'avais peur que vous me traitiez de flagorneur, je vous dirais, les deux artistes que vous allez recevoir, ce sont parmi les plus grands, les plus talentueux et les plus improvisateurs. Oui, parce que ce soir, dans cette église, pour ouvrir la 20e édition du festival Africa Jazz, certainement l'un des rares festivals en France entièrement dédié au continent africain. Et tous les plateaux se valent. La littérature, ce n'est pas les petits débutants qu'on invite. Oui, des grands plumes comme Orsena ont été invités ici. Alain Mabambo, Boris Diop, Suleiman Bachir, etc., etc. Le cinéma, ce n'est pas les petits documentaristes, non. Ce sont des films qui ont gagné des prix à travers le monde, qui sont à la séquence cinéma. Comme je parlais tantôt, des grands auteurs invités au Gré littéraire. Et sur la scène ici, particulièrement la fin de cette année, il y a des gens qui courent derrière Jeune Kuti, héritier de Fela Anikulapo Kuti, l'inventeur de la phobie, il n'arrive pas à le programmer. J'ai même demandé à Jacques, à Patricia et à vos organisateurs, mais comment vous avez fait pour avoir cette affiche-là? C'est pas possible. Non, parce que Sarah Antinobaton, qui vit à New York, c'est une grande peinture aujourd'hui qui a rempli les salles et on va la voir ici dans cette 20e édition de Africa Jazz. Franchement, applaudissez un peu pour Africa Jazz. Merci. Et j'espère que vous comprendrez que je ne suis pas uniquement chauvin. Parce que Africa Jazz est dédié à l'Afrique et que mon chauvinisme a pris le pas sur tout le reste et que j'ai tant d'éloges pour Africa Jazz. Non, c'est parce que moi, en tant que travailleur éliminé sans papier, qui squatte le studio de France Inter depuis 12 ans, je trouve la matière ici à Africa Jazz, que je rencontre dans l'Afrique en entier aujourd'hui, dans l'Afrique en solo. Donc ce n'est pas du chauvinisme, c'est du réalisme. Applaudissements. Il y en a qui seraient morts depuis très longtemps. Voilà pourquoi j'ai créé mon slogan, je suis quelqu'un de modestement prétentieux. Bon, Arthur, ça suffit, on parle de musique aujourd'hui. Alors voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Il fallait compter par là. Bonsoir. Ah, merci. Vous m'en voulez pas trop, hein. Je vous dis, il ne faut jamais donner le micro à quelqu'un qui parle à la radio.
Les deux personnes que vous allez recevoir aujourd'hui, j'ai dit, ils vont vous proposer une musique métissée. L'un est un des virtuoses d'un instrument emblématique de l'Afrique occidentale, qui est la kora. Il s'appelle Ablaye Sissoko, il vient du Sénégal et habite à Saint-Louis. Son jumeau, son frère jumeau, ailleurs on dit son frère d'armes, moi je dirais ici son frère d'émotion. Il est d'origine allemande, il habite à New York, il s'appelle Volker Gotz. Il n'y a que les nigauds qui pensent que les arts ne peuvent pas se mélanger. Mais Ablaye Sissoko et Volker ont compris que l'avenir de l'art, c'est le métissage. C'est le pas à côté qui fait deux cultures se rencontrer, qui s'accouplent et donnent une plus belle. C'est pour ça que le frigard de Volker et la musique mandingue d'Ablaye Sissoko se sont rencontrés pour produire des musiques juste subliminales. Alors, nous allons faire un jeu comme on fait à la télévision. On va faire une petite répétition. Je vais vous dire, alors mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir et vous répondez chaleureusement, vigoureusement, et moi je termine, Ablaye et Volker, d'accord? Oui. Petite répétition, ils sont, on a fermé la porte, elle a tout le vitrail, elle n'entend rien de tout ça. Alors on fait un petit essai, hein? Premier essai. Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Ablaye et Volker, d'accord? Ça c'était l'essai, maintenant c'est pour les vrais. Parce que quand on aura fini, vous me donnerez le temps de remettre le micro à sa place et viendront vous enjailler. C'est encore un mot du gauche ivoirien. Enjailler pour dire vous ambiancer, vous mettre à l'aise, vous faire du plaisir, du bonheur avec ce genre de choses. Quand ça rentre par la porte du pied et que ça traverse le corps comme une onde électrique et jaillit par la tête, votre corps ne comprend plus rien et se met à danser. D'accord? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement. Non, ça va pas, c'est pas ça. Chaleureusement, vigoureusement. Hey, de l'énergie, ok? Dernière tentative, sinon après je mets tout le monde dehors. Hey, pardon, tu le préfères, pardon, tu le mets. Je mets tout le monde dehors, sauf d'en haut, ok? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement, vigoureusement. Ablaye Sissoko et Mr. Volker.
Time. I'm
comme un montagne. Thank you.
Thank you.
tiki manke tulungu di jikabe. Thank you.